Et bonjour à tous, c'est John Julian, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'agglo et de la JAP dans cette vidéo information. Tout d'abord, on va parler de l'éventuel top 1 sur la globale, et puis ensuite, on parlera des infos qui sont tombées sur la JAP pendant la nuit, ou Bel Air, j'ai même envie de dire Majoub LR, gratuit, et le Vegeta Junior gratuit qui arrive très prochainement sur la version JAP. Alors, juste sur la globale, je suis sur cette application qui s'appelle AppStatic, qui te permet en fait de voir les différents top 1. Enfin, tu vois la position de l'application. Donc là, moi, j'ai mis en favori Dokkan Battle, voilà. Et tu vois, donc il faut bien penser à mettre plus rentable, voilà. Et tu vois le classement. Et donc, alors sachant que là, c'est le classement Apple Store, j'ai essayé d'aller regarder sur Android, sur la même application, sur un autre téléphone. Et apparemment, je suis pas sûr parce que l'application elle est un peu bizarre sur Android, c'est pas pareil. Mais apparemment, il y a au moins deux pays qui sont top 1 sur Android, dont la France. La France est top 1, ça c'est sûr, quand vous allez voir sur Android plus rentable, vous allez le voir. Mais apparemment, il y avait aussi un autre pays qui était top 1, au minimum. Mais surtout, regardez déjà sur l'Apple Store, donc sur les iPhones et compagnie, combien il y a de pays top 1. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et, attends, 11 ou 12, attends, parce que non, j'avais compté 12 tout à l'heure, peut-être ça a changé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, c'est ça, 12. 12 pays top 1, déjà. 12 pays top 1. Alors, sur la globale, les top 1, c'est un peu bizarre, parce que des fois, c'est en fonction du nombre de pays, on a 7 DS, des fois... On a eu des sommes, comme sur la JAP, un peu aléatoires, j'ai envie de dire. Genre 50 DS, parce que voilà, on a envie de donner 50 DS. Enfin, mais bien souvent, sur la globale, quand même, c'est 7 DS par pays. Et après, des fois, il y a des bonus, genre quand tu as un cumul, genre top 1 Apple Store et Android, des fois, ils rajoutent des bonus, etc. Bon, après, c'est un peu au bon vouloir de Bandai Namco. Mais normalement, au minimum, si on est respecté, évidemment. Et encore, respecté, c'est aussi parce que les joueurs ont mis beaucoup de sous qu'ils sont bien classés. C'est juste un juste retour des choses par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Évidemment, ils sont pas obligés de donner des top 1. Enfin, je veux dire, dans le jeu, s'ils veulent, ils font rien. Hein, c'est eux qui choisissent. Mais jusqu'à maintenant, ils l'ont fait. Voilà, ça a toujours existé. Donc, on est censé avoir 7 DS par pays. Donc là, 7 x 12, 84. Sachant que sur Android, on a aussi au moins 2 pays. Voilà. Donc éventuellement 98 DS. 98 DS. Et peut-être, je sais pas, un extra, parce que voilà, il y a eu un top 1 sur Apple et sur Android. Je sais pas, ça c'est vraiment hypothétique. Mais il est possible qu'on tape le plus gros top 1 qu'on ait jamais eu sur la globale. C'est fort probable. Après, ça dépend, est-ce qu'il va y avoir un extra. Le plus gros top 1 que j'ai connu sur la globale, et je pense que c'était le plus gros qu'on ait jamais eu. Ça fait un moment, je sais plus trop comment c'était réparti, mais on avait eu 110 DS. Ça fait un moment, hein, il y a un bail quand même, mais on avait eu 110 DS. Je sais plus comment c'était réparti, mais il y avait pas mal de pays. Mais voilà, c'était 110 DS. Bon, il y a moyen de battre ce record en fonction de ce qu'ils vont bien vouloir donner. Déjà les 7 DS par pays, et puis peut-être un extra parce que voilà, double top 1 Android machin. Je ne sais pas, mais. Il y a moyen qu'un très très gros top 1 arrive. Alors, je sais pas quand, les amis, parce que le problème, c'est que sur la globale, les top 1, c'est quand ils ont envie. Des fois, ça met une semaine à arriver le top 1. Enfin, c'est un bordel. Sur la JAP, c'est instantané, les top 1. Enfin, presque. Genre, le lendemain, tu as le top 1. Sur la globale, on sait pas. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, ça peut, je sais pas. Mais, ce qui est sûr, c'est que ça va arriver à un moment donné. Après combien? Je ne sais pas. Ils peuvent pas skip ça, c'est pas possible. Quand ils skipent en soum-soum, tu vois, certains top 1, parce qu'il y a que la France ou autre, bon ça fait chier, hein. Mais bon, voilà, ok. Là, tu peux pas skip ça. Enfin, tu peux pas skip 12 pays top 1. C'est pas possible. Voilà, bref, donc soyez patients, mais la récompense va tomber à un moment donné, hein, c'est sûr et certain. Et puis elle va tomber avant la fin des multi, enfin avec la multi gratuite, évidemment. Ah, ça dure encore 10 jours, donc on va pas le top 1 dans 10 jours. J'ose espérer. Bon, passons sur la version JAP. Avec quelques informations assez croustillantes. Alors par contre, pourquoi le truc est aussi zoomé? D'accord, ok, bon, c'est bon, on va faire comme ça. Donc,
Donc version jap. Donc voilà, il y a des cartes qui arrivent. Vegeta Junior qui arrive. Donc Goku Junior, Vegeta Junior. Il aura un ZTR. Alors pour l'instant, c'est pas très clair. On sait pas s'il a son ZTR tout de suite ou plus tard. Mais on a les stats qu'il aura déjà en ZTR. Mais c'est pas très clair par rapport au ZTR. Et le Ubelair qui est sublime et qui est très bon, hein, soit dit en passant. Donc on va checker ça. Merci à Ayaton HD pour les cartes en HD. Je vous montre les cartes en HD, elles sont vraiment magnifiques. Le lien, enfin son lien est dans la description. C'est, voilà, c'est sublime. Que ce soit la version. Alors oui, parce que Oub se transforme. Donc ça c'est la version transformée, version transformée Majoub. C'est sublime. Alors, je pense que là, c'est assez clair. Alors, est-ce que je vous montre les spé tout de suite? Ouais, ça peut se faire. Hein, ça peut se faire. Non, j'avais, tu me dis, j'avais tout RT normalement. À la limite, on va faire ça. Normalement, j'avais tout RT, si je dis pas de bêtises. Ah oui, on a eu aussi DDS, récompense Facebook hein, sur la globale et quelques orbes, c'est sympathique. Non, j'avais tout RT. Où est-ce que c'est? Voilà. Alors, Vegeta Junior, ok. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, Vegeta Junior, l'aspect, elle n'est pas incroyable. Je préfère celle de Goku Junior, il y a un gros plan, pas pixelisé, bon après c'est assez simple. Et surtout, notre ami, il est où? What? Allez là. Je vais dire Miyu Majoub. Donc notre ami Majoub. Donc, alors il y a pas les voix, il y a pas de voix, hein, donc bon, le son on s'en fiche un peu. Donc là c'est la spé non transformée, ok. Première spé, deuxième spé non transformée, donc la spé ultime. C'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Regarde-moi ça, c'est magnifique, très joli. Voilà. Référence à l'animé, hein, clairement. Donc très sympa. Maintenant, là c'est la transformation. Voilà, on se prend une attaque spé. Je vous parlais après des conditions, tout ça. On mange une attaque spé. Hop, voilà, magnifique. C'est beau, c'est pas pixelisé. Enfin, regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Donc Majoub, voilà. Spé numéro 1. En fait, maintenant les cartes gratuites sont aussi bien travaillées que les cartes premium. Voire plus hein, dans certains cas, mais bon, ça l'explosion finale, bon, ok, le chocolat pour le troll, mais l'explosion finale elle est recyclée. Ça, c'est l'artwork du TUR puissance pour info, le truc que t'as vu au début. Par contre, là c'est nouveau, hein. Là c'est magnifique, voilà, magnifique. Et par contre, le petit bémol, alors cette explosion là, celle que vous venez de voir, la verte là, non mais cette explosion elle a été recyclée, mais 1 milliard de fois. Goku SJ4, Thales Ozaru. Goku SJ4 Full Power. Là, Majoub. Et il y en a encore. Golden Freezer, c'est la même explosion finale. Golden Freezer Ange, avec des filtres couleurs différents. Cette explosion était recyclée à l'infini, c'est un truc de ouf. Mais, globalement, c'est très très joli. Hein. Y a pas grand chose à dire, c'est très très joli. Donc, ça fait plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Hein. Enfin, ce sera dans le Battlefield, donc c'est accessible quand même au bout d'un moment. Donc, c'est pas mal. Donc, au niveau du perso, donc les stats, bah écoutez, 17 000 d'attaque, enfin de PV, énorme. Par contre, bon, 12 000 d'attaque pour un LR, c'est pas exceptionnel, mais bon, comme il est gratuit, à terme, on peut avoir tous les doublons, donc à 100%, ce sera quand même très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? D'ailleurs, merci à Goresh. Donc, vous voyez le compte Twitter ici pour les traductions. Bon, c'est en anglais, mais vous en faites pas, je vais vous traduire, c'est pas bien compliqué. Alors, donc, Oub, dans sa première version, donc c'est un leader pour la catégorie ressuscité à 100% qui plus 3. Bah, si t'as pas Golden, ça dépanne largement, hein, c'est pas mal. Première attaque SP, donc colossale, donc c'est gigantesque. Il débuff l'attaque comme le Oub puissance. Petit clin d'œil. Et SP ultime, gigantesque, et il réduit l'attaque toujours. Toujours premier niveau. Au niveau du passif, alors, plus tes PV sont hauts, plus tu as du ki, jusqu'à 6. Donc quand tu es full life, tu as ki plus 6. Ok. Et après, pareil, attaque et def qui augmente en fonction de tes PV, comme Metal Cooler en fait. Metal Cooler LR, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil. Attaque et def qui augmente jusqu'à 90% en fonction de tes PV. Plus t'es haut, plus t'as un boost. Ok. Et tu fusionnes avec Monsieur Bou quand les conditions sont remplies. Les conditions, c'est quoi? Quand t'as moins de 40% PV, boum, transformation. Voilà. Donc, c'est.
En gros, il faut perdre des PV, mais il n'y a pas de restriction de tour, donc c'est pas plus mal. Au niveau des liens, alors Infighter, je crois que c'est fonceur, si je dis pas de conneries. Récupération, ça je sais plus c'est quoi, mais je pense que c'est un lien à mort, je m'en souviens pas. Jugement serein, Kamehameha, GT et pouvoir légendaire, bon. Alors, il est dans la catégorie ressuscité, forcément. Et transformation fortifiante. Alors, très sincèrement, bon, récupération, enfin, guerrier ressuscité, bon, pourquoi pas. Il a récupération, ça va. En termes de lien de ki, maintenant, transformation fortifiante, faut voir, il y a peut-être moyen de faire une rotation avec, mais. Sinon, après le reste, les liens, c'est un peu atypique, hein, quand même, hein, c'est un peu atypique. Et puis, ces deux catégories, c'est des catégories qui sont principalement extrêmes. Cette carte est super. Donc c'est vrai que en termes d'intégration c'est pas fou. Et comme je l'avais dit, il n'est pas en dragon maléfique. Hein, parce qu'il y en a plein qui ont dit mais c'est pas parce que. Mais il n'y a pas de c'est pas parce que. Dokkaner avait confirmé qu'il ne serait pas dedans parce qu'il faisait référence à l'arc baby. Et bah il est pas dedans. En vrai on aurait préféré, hein, parce qu'avec le lien GT, ça passe partout. Ça aurait été cool, mais bon, c'est pas le cas. Donc ça, en termes d'intégration, ça va pas être fameux quand même. Hein. On va essayer de jouer une rotation avec quelqu'un qui a récupération, tout ça, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Après, il se donne du ki en fonction des PV, donc à la limite pour lui-même c'est pas grave, c'est juste pour les autres cartes qui auront pas forcément du ki, mais pour lui il s'auto-suffit, donc finalement c'est pas si grave. Une fois qu'il est en Majoub, alors toujours première attaque, toujours pareil, toujours la même chose, réduit l'attaque. Deuxième attaque spé, il réduit grandement l'attaque, ça c'est très cool. Ah, bon, ça c'est le nom. Alors. Quand tu te transformes, tu récupères 40% PV. Je rappelle que ça transforme proc quand tu as moins de 40%. Tu te transformes 40%. Il te met pas full life, mais presque. Il te met vers 80%. Donc si tu as des cartes qui ont lien boss, tu conserves le lien boss, c'est cool. Il a attaque et def plus 100% début tour, plus de restrictions de PV. 100% sur un LR gratuit. 100% sur un LR gratuit. Que tu peux avoir à 100% à terme. D'habitude c'est point fixe, bon ça dépend, pas tout le temps, mais souvent. Ok. Et enfin il change de manière aléatoire une couleur de ki en ki arc-en-ciel. Et quand tu prends un ki arc-en-ciel, tu as ki plus 2, un peu comme Vegito et Gogeta LR non transformé. Donc il partira en spé assez facilement. Encore une fois. Les liens, ça change un petit peu. Il gagne Master of Magic. Je sais plus c'est quel lien, je crois que c'est peut-être. Pas sorcellerie, mais je puis un lien comme ça. Bon, c'est très atypique, hein, c'est compliqué. Majin, c'est le bienvenu parce que dans la catégorie transformation fortifiante, il y a pas mal de bouts. Donc, Majin, c'est le bienvenu, hein, franchement, nickel. Après, il y a Duo de Rivaux. Pourquoi pas guerrier fusionné. Dans les catégories dans lesquelles il appartient, pas nécessairement, mais bon, ok. Bon, il garde GT. Après, en gros, il perd quoi? Il perd Kamehameha. Pas très grave. Et il perd le lien là, je sais même plus c'est quoi, mais je crois que c'est un lien mort de toute façon, donc bon bref. Donc les liens sont quand même mieux, hein, quand il est en Majoub. Le Majin est vraiment le bienvenu, hein, parce que Majin, ça peut vraiment servir dans la catégorie de transformation fortifiante, renforcée. Et pareil, en ressuscité, bon, il y a des bouts, tu peux jouer des bouts, tu vois, donc pourquoi pas. Genre le Fatbou, il a récupération, et il a Majin. Ça peut être pas mal, Fatbou et ce Majoub, ça peut être pas mal. Donc voilà les amis, on va passer à notre ami. Donc enfin pour conclure sur Majoub, globalement c'est très très bon, hein, pour un LR gratuit. Juste au niveau des teams, il va pas très très bien s'intégrer, mais comme il s'auto-suffit, à la limite, c'est pas très gênant. Le Vegeta Junior, bon la carte est très sympathique. Alors comme je l'ai dit, là c'est ses stats ZTUR, mais on sait pas si le ZTUR arrive maintenant ou pas, on sait pas trop. Est-ce qu'il y aura un nouveau Event ZTUR, est-ce que ce sera sur le ZTUR de Goku Junior, on sait pas. Alors, une fois qu'il est éveillé, pour la catégorie Saiyan sans mêlée, 77% qui plus 3, okay. Et un secondaire en endurance qui est un peu pourri. Et il augmente l'attaque pendant un tour et fait des dégâts colossaux. En fait, c'est une carte qui est très proche finalement de. Enfin, qui ressemble à Goku Junior, mais qui est quand même plus intéressante. Vous allez comprendre vite pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Attaque ADF 60% début de tour. Alors, je crois que Goku Junior c'est pareil maintenant. Mais c'est là que c'est beaucoup plus intéressant. Qui plus 2 et attaque plus 50% pendant 5 tours après avoir reçu une attaque. Vous savez, on commence à avoir l'habitude que les passifs qui sont indiqués comme ça, quand je reçois une attaque, c'est pas 60 plus 50, ce sera différent. Et donc au final, on n'aura pas 110%, mais on aura bien plus, enfin bien plus, on aura
dans les, j'imagine, 150-160% de boost d'attaque. Hein, c'est vraiment une fourchette. Hein, mais bref, en tout cas, c'est pas 60 plus 50, ça se calcule pas au même moment, donc le boost final est bien plus élevé que ça, que 110. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Au niveau des liens, je crois que c'est exactement les mêmes, alors sauf que bon, bah, il a pas famille de goût, il a lignée royale. Mais c'est quasiment les mêmes que notre ami Goku Junior. Donc voilà, les deux à côté, ça va être très fun. Forcément, ça va être très fun, ils ont quasiment les mêmes liens. Ça va être vachement cool. Clairement, ça va être très très cool. Alors pareil, on a le Vegeta Junior, il est de base, il est pas en Super Saiyan. Donc tu peux en farmer deux. Un en forme de base. Et un en Super Saiyan. Et du coup, tu peux te faire un délire, genre en team sans mêlée, tu fais une rotation Goku Junior, Vegeta Junior, forme de base, et puis Goku Junior, Vegeta Junior, Super Saiyan. Ça peut être grave fun à voir. Ça peut être cool, je le ferai peut-être. Ça peut être sympa. Donc, ok. Donc, c'est vachement cool. Et enfin, ah oui. Alors, merci à Dokkansol d'avoir retweeté. Merci à Dadago. Alors, je sais pas d'où il a trouvé ça, mais on a des unités, enfin, on a des images, des images de cartes. Qui, concernant certains dragons maléfiques, notamment un nouveau Omega. Alors après, c'est peut-être que des boss. C'est ça qui est supposé, c'est peut-être que des boss, ce sera pas des cartes à invoquer, enfin, même pas à invoquer, mais même à farmer. On sait pas trop, mais on voit des dragons. C'est certainement dans le story event qui a été teasé, qui a été annoncé dans le jeu. À voir, affaire à suivre, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc voilà les amis, pour conclure, Vegeta Junior pas mal du tout, au moins ça va faire un peu de farm à faire. Et puis Majoub très très bon, hein. Oub gratuit très très bon, il s'auto-suffit, pour une carte gratuite c'est excellent. Voilà, pour l'instant pas de trace de notre ami Baby Vegeta LR, mais faut savoir que Vegeta Junior ça arrive je crois demain, 14 mais c'est en heure PC donc ouais, c'est demain, Majoub c'est le 19. Et je suis quasi persuadé que Super Baby va arriver en même temps que Majoub. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'a pas les informations. Il garde la partie premium. Peut-être pour le live qui aura lieu à midi. Peut-être. C'est possible. Il y a moyen, je vais peut-être lancer un live pour essayer de commenter en même temps. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de traduction, je vais pas comprendre grand-chose, les amis. Donc on verra. Mais je vais sûrement lancer un live vers midi pour suivre. Bon, je pourrais pas vous l'afficher pour des raisons de droit d'auteur. Mais je pourrais commenter. S'il y a une traduction, s'il n'y a pas de traduction, ça va être compliqué. Bon, on verra bien. Donc voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit instant soutien. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Des bisous à tous.